Et bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour mon avis sur l'épisode 7 des Anneaux de Pouvoir. Je rappelle que c'est quand même l'avant-dernier de cette saison 2, donc ça va déjà se terminer. Et oui, terminer les avis, terminer les conseils en terre du milieu. Enfin, il y aura certainement d'autres conseils en terre du milieu, je l'espère. Mais du coup, cet épisode est très partagé. J'ai l'impression que c'est vraiment les gens ont adoré ou ils ont détesté. Alors, je comprends pas qu'on soit aussi... dur avec cet épisode quand même, c'est un petit peu dommage. Effectivement, il y a des points qui sont dommageables, il y a des points qui sont super intéressants, mais on est quand même sur un très bon épisode qui va marquer, je pense, un bon tournant pour cette fin de saison 2. Je pense que le prochain épisode va être... on a posé les bases là, clairement, de la bataille, et là, je pense que ça va bien se terminer. Enfin, on sait pas comment ça va se terminer, mais en tout cas, moi, j'ai bien aimé. Donc, commençons direct, pas besoin d'aller plus loin dans le no-spoil, hein, parce que bon, si on est à l'épisode 7, c'est que les gens ont vu les autres épisodes, donc à part à donner mon avis 3 secondes, on va pouvoir continuer. Donc, on reprend directement avec les rêveries. Les rêveries, hein, le coup de Celebrimbor qui est en train de boire sa petite tisane, son petit thé au soleil, parce que franchement, ça se passe bien, c'est la belle vie. Il est en train de manipuler le sang de Sauron, parce que oui, on découvre que le fameux mithril qu'il lui donne, c'est évidemment le sang. Donc c'est un élément important. Donc, il confectionne les anneaux des hommes, parce que c'est une demande, Ah oui, il faut que j'arrête de me mettre devant l'écran, parce que sinon vous ne voyez pas les images quand j'illustre. Donc, on découvre que la machine pour... forger les alias. Alors j'ai oublié le nom de cette machine, mais c'est un truc qui permet de... J'ai oublié le nom. Pourtant, il y en a un chez mes parents. Je me rappelle, il y en a un chez mes parents. Bon, il est différent. C'est-à-dire qu'il faut tourner une manivelle et le truc, il descend. Mais c'est le même principe. C'est un truc qui permet de couper, quoi. Qui servira plus tard dans l'épisode. Je vais pas vous dire maintenant, mais... Donc il forge les anneaux, voilà, il est très fort, voilà, il est au sommet de son art, il est très confiant, très heureux, mais il se pose quand même des questions. Et les premières questions qui se posent, c'est tout d'abord par rapport à une souris. En fait, il voit une souris faire un chemin. C'est vrai qu'au début, je me suis dit, mais pourquoi une souris et tout, quel est son intérêt? Donc il découvre, voilà, qu'il y a des choses étranges, qu'il voit dans le miroir qu'au final, il a une peau qui est pas aussi belle que là maintenant, que c'est très dark et tout. Il se dit, il y a un problème autour, on voit tous les anneaux, donc ça c'est sympa. Donc les 9 anneaux pour les futurs rois hommes, humains, on ne sait pas à quoi ils seront destinés, en tout cas dans la saison des anneaux de pouvoir. Donc Annatar revient, lui dit, mais tout va bien, est-ce que les anneaux sont terminés? Parce que oui, Annatar, son objectif là, c'est quand même que Celebrimbor termine ses anneaux. Et puis je pense que Sauron, après, il va se barrer parce que ça chauffe. Hein, on rappelle que là, pendant ce temps-là, on est sur le début de la bataille. Hein, les trébuchets qui balancent les cailloux, machin, c'est la guerre. On est dans une guerre. Donc ils discutent, je trouvais ça intéressant. Celebrimbor qui commence à douter. Il commence à douter et il se dit qu'il y a quand même une machination parce que voilà, il va tracer un trait sur la bougie. Il va voir que la bougie, ne descend pas. Ce qui est, je trouve, un effet intéressant pour montrer que le temps est complètement figé. Et qu'en fait, Sauron a créé juste une boucle temporelle d'une journée. Et il va voir qu'il y a des choses qui se répètent. Donc on a la fameuse scène, hein, de Sauron sur les murs qui se balade, hein, tranquillement en mode colonie de vacances. Alors je trouve que le bémol de cet épisode, c'est que tout se passe sur un flanc de muraille. Et on ne voit pas plusieurs niveaux de la ville, on ne voit pas... Ça aurait été plus sympa d'avoir, plusieurs... la muraille pète, ensuite il y a un deuxième niveau, etc. Enfin, un peu comme le gouffre de Helm, un peu comme Minas Tirith. Ils auraient pu, je pense, reprendre un petit peu ce système, mais voilà, ils ont fait autrement. Donc Adar, plutôt confiant au début, voilà, il se dit, balançons un maximum de cailloux, on détruit carrément la cité. Et ce qui est en soi pas faux, Eregion sera ravagé, détruit. Donc le fait qu'il balance des catapultes et qu'il continue, ça fait un peu comme Minas Tirith au final. Minas Tirith, il balance des catapultes pendant au moins une journée. Hein. Même pendant la nuit, il continue à balancer des catapultes, ça pète tout le premier niveau. Et quand on voit à la fin de Minas Tirith, la bataille, le premier niveau, le deuxième niveau, tout est défoncé, détruit, il n'y a plus rien, quoi, c'est rasé. Donc là, on est sur un peu le même principe. Donc on apprend que ça serait bien de se défendre. Donc Celebrimbor, bon, il ment évidemment à Annatar, il lui dit, vous inquiétez pas,
Celebrimbor vous a dit de rien faire, mais moi je vais vous dire de combattre, parce qu'il faut combattre. Bon, c'est un petit peu dommage qu'il y ait peu de figurants chez les elfes, d'Eregion. Bon, est-ce que c'est parce que c'est... je sais pas, pour moi c'est parce qu'ils ont, voulu éviter de faire trop de CGI de ce côté-là, mais quand j'en parlais sur le live de Gaëtan, il me dit qu'il y a de la CGI partout, alors moi je comprends pas. Pourquoi ne pas insister plus sur des effets humains? J'ai l'impression qu'il n'y avait pas... il y avait pas 36 000 figurants, mais il y en avait quand même quelques-uns. Après, effectivement, au niveau des elfes, ça manquait peut-être. Après, c'était peut-être pour souligner le fait que les elfes sont moins nombreux, mais qu'ils sont beaucoup plus forts. Enfin, beaucoup plus résistants, puissants, etc. Donc, nous avons les orcs qui décident de changer de stratégie et de directement attaquer la montagne. Et évidemment, attaquer la montagne, bon, cet effet est plutôt intéressant. Donc il casse un petit caillou qui va bloquer directement le glanduin, c'est ça, c'est le glanduin, et qui va créer un petit raz-de-marée, et du coup laisser un passage. Donc là on peut, là je pense que c'est une maquette, sur cet effet là, on a vraiment l'impression que c'est une maquette. Donc là on voit que le mur est quand même grand, en fait c'est pour, je pense que c'est pour ça qu'on voit que Adar ne se préoccupe pas forcément de perdre ses troupes à gauche. En fait à gauche, à côté du pont, c'est là où le mur est le plus faible. Mais sinon, sur les autres pans de mur, eh ben, ils ont quand même envoyé des troupes. Donc je pense qu'en fait, nous, on voit qu'une portion de la cité. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas beaucoup d'elfes. Mais il y en a sur tous les murs. Là, on peut voir qu'il y a des petits points. Voilà, il y a au moins 5 ou 6 archers à chaque fois. Bon, il n'y en a pas énormément, effectivement. Mais les murs ne sont pas forcément très épais non plus. Donc on ne va pas faire comme le gouffre de Helm à mettre 3 rangs d'unités à chaque fois. Voilà. Il y a de la 3D partout, effectivement. Et ça rend les scènes kitsch. Je viens de découvrir. Ah ouais? Bah, je sais pas, moi, enfin, ça m'a pas choqué, mais peut-être, oui, pas, ça manque de figurants, mais c'est, je sais pas, c'est... Je ne saurais vous dire. Donc là, il revoit la souris, qui fait exactement la même chose que, bah, du coup, dans le dernier cycle, et il commence à se poser des questions, il se dit, mais c'est vraiment bizarre, il va commencer à tracer un trait sur la bougie pour se dire, est-ce que la bougie fond vraiment? Est-ce que je suis pas dans une illusion totale, là? On retourne chez les nains. Alors les nains, du coup je comprends pas. Moi je comprends pas. En fait du coup il y a une théorie qui se fait dans ma tête, c'est que les nains on dit qu'ils ne viendront pas du coup à la bataille. Sauf que là on est d'accord, la porte, ce n'est pas la porte de la Moria, c'est la porte qu'on voit dans la saison 1. Donc à quel moment, normalement dans l'histoire, les portes de la Moria, donc les portes d'Urin se ferment à jamais à ce moment-là. Sauf que là les portes ne sont pas mises. Je viens de me faire du coup le rapprochement. Les portes ne sont pas mises. À quel moment ils vont les mettre? Pour moi, à moins qu'ils les fabriquent en urgence dans l'épisode 8, ça me paraît compliqué. Bon, les richesses qui commencent à pas mal s'amasser hein, du côté de Durin, qui continue sa folie meurtrière et qui veut... Alors, voilà, Narvi lui dit ça serait bien d'aller aider les elfes. Le roi, il est en mode, non, creuse, frère, on continue, il nous faut des ressources, il nous faut des ressources. Donc, Durin et Disa qui veulent protéger encore une fois les mines, Narvi qui décide de collaborer avec Durin 3 pour sauver du coup Durin, enfin Durin 4 pour sauver Durin 3 qui est complètement corrompu selon lui. Elrond, ça aussi j'ai pas compris, comment Elrond est arrivé ici? Non parce que Elrond du coup, enfin il est passé par l'Eregion par le nord, vite fait entre guillemets, pour aller demander de l'aide aux nains. Du coup, ça doit se faire bien en amont. Je pense que ça se fait bien en amont, ça. Il y a encore un problème de chronologie, c'est que ça se passe pas au moment de la bataille, ça se passe avant la bataille, c'est sûr. Parce que c'est pas possible, sinon. C'est pas possible. Donc on retrouve leur amitié, il est très content. Très 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 content, notre Durin 4. Parce que bah il retrouve son ami d'enfant, j'allais dire, mais son ami tout court. Donc là, Elrond lui implore de l'aide. Et là, on voit les tambours. Boum, boum. Boum, 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 boum. Et là, la bataille s'enclenche. Par contre, du côté orc, là, on voit bien qu'il y a énormément d'orcs. Et ça, j'ai trouvé ça hyper bien fait. En fait, c'est ça qui est dommage, c'est que d'un côté, les orcs sont trop bien faits. Il y a vraiment une armée de fous. Et du côté elf, bah, t'as l'impression qu'il y a 3 pecnos, quoi. Mais après, bon, je sais pas, le fait qu'ils aient pas préparé les défenses... ils aient pas pu rapatrier, je pense, tous les elfes, entre guillemets, de la région, on sait pas, hein, on peut imaginer des choses, mais de manière, c'est fait, hein, on peut pas changer le cours de cette bataille. Là, on peut voir qu'il y a quand même pas mal d'archers au début. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
et on voit juste un flanc d'une muraille. Donc faut imaginer qu'il y ait ça sur tous les murs. Donc si on a à peu près une dizaine d'archers sur un pan de mur et qu'il y en a, je sais pas, 20, bah, ça fait déjà pas mal. Ça fait déjà 200 archers qui s'amusent à tirer, plus ceux qui sont un petit peu à côté. C'est juste qu'on voit que un flanc de montagne. Bon, lui, c'est un des bons commandants de bataille. Donc, j'ai bien aimé, en fait, les scènes de bataille. Hein. Ça faisait vraiment un peu style bataille de la Première Guerre mondiale, avec un petit peu le mode tranché, la boue, tout ça. Parce qu'évidemment, vu qu'avant, c'était, entre guillemets, un fleuve. Et là, on peut voir que le pont, il y a un pont-levis, en fait. Vous pouvez voir qu'il y a un pont-levis. Pourquoi ils ne sont pas passés par le pont? Bah, tout simplement parce qu'il y a un pont-levis, en fait. Ils ne peuvent pas passer. Ils peuvent très bien aller sur le pont, ça, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a aucun intérêt d'aller sur le pont vu qu'il y a un pont-levis qui est levé. Parce que oui, il y avait de l'eau, donc il y a forcément un système de pont-levis en cas d'attaque. Parce qu'en gros, il y a une seule entrée dans la cité, ou peut-être plusieurs. Parce que vu qu'il y a d'autres passages, vu qu'Eladriel passe par un autre chemin. Mais en tout cas, on nous explique qu'il y a un pan du mur qui est assez faible. Et ils amènent un broyeur. Ça, hein, c'est comme ça, un ravageur. Alors, un ravageur, je connaissais pas du tout ce système d'artillerie. Je trouve ça intéressant d'introduire un nouveau système, parce qu'en fait, c'est là où on se dit pourquoi ils ont pas ramené de bélier. Parce que la porte n'est pas accessible. En fait, la porte est en hauteur par rapport au niveau du sol. Donc, c'est pas possible d'envoyer un bélier. Donc, c'est pour ça qu'ils ont envoyé un ravageur pour détruire carrément la muraille. Sauf que j'ai l'impression que la muraille est très très solide. Elle a été réalisée, je sais pas, par les nains. T'as l'impression qu'elle a été réalisée par les nains, parce qu'elle est très 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 solide. Et tout l'épisode tourne autour du coup de ce ravageur. Donc voilà, les elfes commencent à se défendre, ça c'est plutôt bien joué. Les scènes de bataille sont sympas, elles sont bien jouées, bien tournées. On voit l'immensité des orques, on voit quand même que... on voit même leurs boucliers et tout, en mode ils se protègent quand même des elfes. Bof. Je sais pas, moi, vous êtes dur, hein. T'oublies le troll. Ah, le troll, on en parlera évidemment plus tard dans l'épisode. Alors cette scène évidemment fait penser à Grond qui avance, mais là ce n'est pas des trolls qui tirent le bélier, c'est des petits orques. Alors, on va accélérer parce que j'ai pas énormément de temps malheureusement. On retrouve Celebrimbor qui est en mode « Attends Anatar, j'ai une théorie, il y a un problème de temps là, vous voyez, il y a une souris, elle fait tout le temps la même chose, et puis il y a une bougie, regardez la bougie, elle ne s'arrête jamais, et regardez les charbons ils ne s'arrêtent jamais !» Bon, il balance le marteau de Fëanor qui va du coup sceller son destin. Par rapport à Fëanor qui scelle aussi son destin lui-même avec ce marteau. Je trouvais ça intéressant que du coup ça lui ouvre. En fait, c'est grâce à ce marteau qu'il va prendre connaissance du monde obscur. Hein, parce que là, il ouvre sa petite terrasse et il découvre que sa cité est complètement envahie, attaquée, assiégée. On voit les tirs de catapulte, hein, entre des tirs simples et des tirs à... Je sais plus comment on appelle ça, mais à multiples cailloux, quoi. C'est plutôt stylé. Alors, je crois aussi, pendant la bataille, il y a l'effet jour-nuit. Donc, il y a un moment où ils se battent dans la nuit, et dès qu'il fait jour, les orques n'attaquent plus. C'est pour ça qu'il y a des espèces de transitions un peu bizarres. Enfin, c'est ma théorie, hein. On va voir pendant l'épisode. Bon, là, il se rend compte qu'il y a Anatar et du coup Sauron qui découvre du coup que le fameux... L'élixir hein, de Mithril n'est pas du Mithril, c'est le fameux sang que Sauron se taillade, hein, parce qu'il le montre, lui-même, on voit sa main qui est complètement dark, hein. Il n'a pas de sang rouge, il a le sang noir, hello there, c'est moi, c'est Sauron, mon pauvre Celebrimbor qui sort et qui se prend directement dans un premier camp, un petit coup de canon, la grande classe de Charlie Vickers, ah ouais non mais Anatar c'est le monstre. Par contre, j'ai pas compris cette scène. Pourquoi il le laisse partir à ce moment-là? Genre, il aurait pu lui dire, mais continue à forger les anneaux. Parce que Celebrimbor décide de sortir. Peut-être que Sauron, à ce moment-là, il se dit, il faut montrer au peuple que Celebrimbor est complètement fou. Moi, pour moi, c'est comme ça que je le vois. Hein. Parce que du coup, Celebrimbor monte sur les murailles. Bon, on peut voir que voilà, la bataille s'enclenche. Il y a déjà quelques heures qu'il commence à monter... du coup sur la cité, il y a un orc qui vient de balancer un elfe aussi, pas très sympa, mais qui se fait tuer directement après. Celebrimbor du coup il arrive, il va voir Myrdania qui est complètement abasourdie, elle se demande qu'est-ce qui se passe, tu sais pas pourquoi elle est sur les murs parce que c'est pas forcément le meilleur endroit pour vivre. Donc les orcs ils commencent à installer leur système de cassement de murailles,
Donc ils en mettent du temps hein, à casser la muraille parce que au final, ils en mettent du temps. Ils mettent tout un épisode pour casser une muraille. Donc Annatar arrive et là, Clay Primeborg, il est en mode, mais c'est lui le méchant. Il nous a dupés, tous trompés. Et tout le monde est en mode, mais non, mais tu mens et tout. Regardez, je me suis fait une égratignure à la main. Regardez, mon sang, il est pas noir, il est rouge. Je suis un gentil. Et là, la scène, elle est tellement terrible. Nirdania, elle est en mode, mais non, je vous jure, il est gentil. Et là, la scène, c'est Killing Bribon, on dirait. Ah, d'accord. Sauron qui... Ça, j'avais pas vu le petit coup de main. Et là, paf. En fait, c'est il fait bouger Killing Bribon. Et du coup, Myrdania tombe. Et là, c'est cruel. Là, c'est cruel. On a un moment cruel où l'orc, du coup, va tuer Myrdania. Donc, c'est ciao pour Myrdania. Et bah, la bataille s'élance, quoi. La bataille s'élance sur tous les fronts. On peut voir quand même qu'il y a pas mal d'orques. Hein. Et on a en même temps l'arrivée. Alors, un peu comme au gouffre de Helm, un peu comme à Minas Tirith, hein, la fameuse corne qui appelle Elrond sur son cheval. Magnifique, avec l'arrivée des elfes. Moi, j'ai beaucoup aimé cette scène. Bon, elle est très frustrante. On en parle de l'armure du roi. Mais je sais pas ce que vous avez comme problème avec vos armures, mais. J'ai l'impression que vous êtes difficile, hein. Je sais pas, moi ça me choque pas plus que ça, hein. C'est quoi? C'est le fait qu'elle soit plus en cuir que vraiment une armure? Je sais pas. C'est peut-être les couleurs qui font ça, hein. Oh, puis cette scène horrible. Oh, ça va, horrible. Bon, en fait, c'est vrai que la charge est jolie. L'effet vraiment dark et la lumière qui arrive. Mais c'est vrai que c'est très frustrant. Qui s'arrête juste avant, parce que du coup, il... Après, pour moi, ma théorie, pourquoi il s'arrête? Parce qu'en fait, ils savent très bien que Galadriel a été capturée par Adar, et que, bah, Galadriel, entre guillemets, elle vaut autant que tous les hommes qui sont là, quoi. Donc, ils sont en mode, bon, si jamais Galadriel, on la voit quelque part, on s'arrête. Donc, Elrond, en fait, au dernier moment, voit... Galadriel avec ses yeux un peu perçants et du coup indique à tout le monde à ce moment là c'est sûr, en fait il le dit avant qu'il faut s'arrêter parce que s'arrêter au... après je suis pas un maître en équitation mais je pense que c'est possible de s'arrêter assez rapidement. Ils sont élancés mais ils sont pas hyper élancés, ils sont pas comme à la charge des Rohirrim en mode ils donnent tout plus vite. Toi, c'est pas la dernière charge du monde, là c'est une charge parmi tant d'autres. Donc ça, voilà, il s'arrête, et là, il y a le contraste un peu jour-nuit, qui est hyper joli, hein. L'image est très très belle, avec Adar, il a des couilles, lui, il se met devant tout le monde, c'est vraiment le dirigeant, il protège ses enfants, donc Adar, je trouve que c'est un peu le boss. Bon, Galadriel, qui est enfermé, du coup, il va y avoir une discussion, hein, donc Adar veut les anneaux, Elrond, il veut Galadriel... Voilà, chacun son avis, ils sont pas d'accord. Et du coup, Elrond va lui dire qu'il faut qu'il reparte. Bon, il y a quand même une mention à Morgoth, hein, que ça... Enfin, non, je crois que c'est... c'est peut-être pas à ce moment-là. Mais je crois que dans l'épisode, à un moment, il y a Nata ou je sais plus, Adar, qui parle de Morgoth en mode... Morgoth, ça a été un tyran pour lui, et que Annatar veut faire le bien, en fait. Que c'est à cause de Morgoth qu'il n'a pas pu faire le bien. Mais du coup, c'est bien Annatar qui le dit, c'est pas Elrond. C'est pas Adar. Donc, on arrive à la fameuse scène qui a fait crier, je pense, le monde entier. À juste titre, hein, mais... Ça va. Imaginez, vous êtes au bord de l'apocalypse. Vous savez que votre... Vous avez une personne que vous pouvez sauver. Mais il faut lui donner une sorte de médaillon pour qu'elle puisse potentiellement se sauver. Et sauf que la seule manière de le faire, bah, c'est de gagner du temps, de distraire l'attention des téléspectateurs dans un premier temps, et aussi des orques hein, et d'Adar dans un second temps. Donc Adar, il prend le temps, il en profite. Non, parce que rappelle quand même que Galadriel, du coup, est mariée à déjà à ce moment-là, parce que Celeborn, elle en parle dans la saison 1, donc Elrond est au courant. Et la fille, du coup, de Celeborn et Galadriel, donc c'est Celebrian, va... se marier avec Elrond, donc bon, on va dire que c'est la grand-mère, quoi. Donc, ils s'embrassent, voilà, pour tout simplement donner le médaillon. On le voit, hein, on le voit sur la scène. Moi, j'avais pas vu,
Première fois que je le vois, j'avais pas vu, j'étais en mode choqué. Je pense que tout le monde est choqué et tout le monde est en mode what? Ils sont aussi proches que ça, c'est fou. Même Galadriel est en mode qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et après, elle comprend. Et je pense qu'elle joue le jeu. Je pense qu'elle joue le jeu, clairement. Elle joue le jeu, elle insiste sur le fait que waouh, c'est choquant. Donc moi, enfin, je sais pas, ça. Bon, ensuite, les elfes, ils parlent en elfique pour expliquer un peu la stratégie. Donc il nous donne la stratégie en avance. Il sait que Elrond est parti quérir les nains pour demander de l'aide. Donc il explique à son commandant que vous inquiétez pas, la première lueur du jour, machin, les nains vont arriver avec une armée et on pourra attaquer sur deux fronts et du coup défoncer les orques. Donc voilà. Il remonte à cheval et c'est là où je trouve... Non, il y a la partie avec les nains, il y a la partie avec Galadriel qui du coup va s'échapper. On a quelques passages, hein, du coup, Dorin qui va essayer de rallier les nains à sa cause, en expliquant que ça serait bien de sauver les elfes. Bon, pendant ce temps-là, Celebrimbor qui a été enchaîné, et qui est en train de terminer tranquillement les anneaux, voilà, il est peaufine. Anatar qui le regarde. Et Elrond qui va tranquillement repartir chez lui. Sauf que deux secondes après, vous allez voir, c'est directement la guerre, genre... Je comprends pas la cavalerie, genre, où elle était. Je trouve ça juste dommage d'avoir pas expliqué où était la cavalerie en attendant. Parce que j'imagine qu'elle est restée de son côté. Bon, du coup, les nains qui décident, voilà, de... J'ai beaucoup aimé, hein, ce passage-là avec Durin, du coup, 4, qui remotive tout le monde, et Khazad Doom, Khazad I'm You, Baruch Khazad aussi, on a eu tout. On a eu tout chez les nains, voilà, les petites citations naines pour un petit peu donner la force. Et j'ai beaucoup aimé ce passage, voilà, la petite grandeur. Et là, voilà, scène d'après, c'est parti en cacahuète, tu sais pas, Elrond, il est reparti chez lui, ça y est, c'est la guerre, la trêve est terminée, tout le monde est en train de se battre. Donc là, on peut voir l'armée, du coup, de Gil-galad qui attaque directement le camp, en fait. C'est ça, je comprends pas. Comment on est arrivé de là? Parce qu'ils étaient en train de traiter en mode pacte, et en fait, à moins qu'à la fin du pacte, ils aient en mode, bon, ok, on arrête tout, c'est genre, on reprend la guerre, quoi. J'ai pas compris que ça soit aussi rapide, aussi instant. Bon, cette scène est sympa, hein, on peut voir un petit Thor qui fait un petit coup de marteau, les cavaliers qui s'enlacent du coup dans la boue, hein, parce que oui, hein, on est encore sur l'eau qui stagne un petit peu à certains endroits, du coup la cavalerie qui a du mal à passer. Elrond qui se bat comme un dieu, hein, clairement c'est grave s'il est... Oh, cette scène est terrible. Cette scène est terrible là avec le cheval qui se fait trancher la gorge. Je vais pas vous montrer ce passage là mais c'est. Je trouvais ça un peu émouvant. Et puis après bah du coup Elrond qui prend le temps. Alors j'ai beaucoup aimé ces petites scènes là. Il met l'orque sur la catapulte et là. Wouhou. Et l'orque que du coup qui va heurter la muraille. Je trouvais ça plutôt rigolo. L'orque qui a des yeux rouges, hein, assez vénère. Bon le cheval on va éviter d'aller trop dessus. Donc la bataille continue sur les murs, hein, ça commence à être un peu compliqué, bon il y a toujours autant d'elfes entre guillemets, mais il y a de plus en plus d'orques qui commencent à monter sur les murs, et ça semble désespéré hein, déjà à ce moment-là. Ils ont du mal à tenir les murs, on va commencer à péter le mur, mais le mur est très 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 solide, hein. On peut voir que à chaque fois qu'ils tapent le mur, du coup ils doivent enlever les cailloux, et la bataille continue de nuit. Voilà, Adar est en train d'envoyer de nouvelles hordes d'orques. L'autre, son pote là, il lui dit, bon, ça serait bien de se calmer un petit peu, on est en train de tous mourir là. T'es en train d'envoyer nos enfants à la mort. Donc, mais lui il dit, moi je préfère que vous mouriez aujourd'hui que demain avec Sauron, donc allez mourir. Donc là il découvre que Galadriel s'est échappée, escamoufle, là on découvre que les orques, bah encore une fois, enterrent bah, du coup les autres orques, hein, ils pleurent un petit peu leur mort, eux aussi, hein, parce que des deux côtés, bah, du coup, il y a des pertes, hein, logique. Galadriel du coup qui découvre ça, on retrouve du coup Arondir, donc voilà, il explique, hein, ils retourneront dans le Darkness, hein. Dans les flammes, ils retourneront dans le Darkness, hein. Il le répète plusieurs fois, pourquoi, je ne sais pas, mais en tout cas, ils retourneront dans le Darkness, hein, selon Adar. On retrouve Arondir qui arrive au bon moment, qui veut absolument tuer Adar, et Galadriel lui dit, bon, c'est bon, j'ai assez fait de la merde, on va pour l'instant se replier, on va se battre avec les autres, t'inquiète, t'auras peut-être l'occasion de le tuer plus tard, si jamais t'y arrives. Pour la première fois, on voit une armée naine, voilà, petit plan avec une armée naine, donc on peut voir qu'il y avait quand même pas mal de troupes, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15
avec peut-être un chariot de je sais pas quoi. 15 petites légions. Donc on peut voir une formation, hein. Je pense que Galethorn serait content de cette formation de nains qui se déplacent. Mais malheureusement, les nains, au dernier moment, vont décider. Alors là, c'est vrai que Narvi qui arrive, qui est complètement ensanglanté, c'est-à-dire que Dorin 3 se serait battu contre Narvi, enfin, ça serait fou en fait. Et ils sont au courant qu'il y a une bestiole. Pour moi, ça serait pas le Balrog. Pour moi, il y a une... ils sont au courant que Lysa a colporté des rumeurs comme quoi il y aurait une créature. Mais pour moi, ils savent pas que c'est le Balrog à ce moment-là, ça me paraît bizarre. À moins que ce soit le Guetteur de l'eau, je sais pas. En vrai, j'ai du mal à savoir, c'est difficile. On saura évidemment dans le prochain épisode, je pense, le dénouement des nains à cet endroit. Bon, du coup, Durin décide, au lieu d'aider Elrond, eh bien, de replier son armée. Annatar, pendant ce temps-là, bah, il se dit, ça serait bien que tu termines les anneaux, là. Il faut y aller. Allez, 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 il faut les terminer, là. On n'a pas le temps. On est en guerre, là. Dépêche-toi, on n'a plus beaucoup de temps. Du coup, il parle de Morgoth, il parle de... J'ai beaucoup aimé ce petit passage. Bon, de toute façon, la relation Celebrimbor-Annatar, elle est très bien. Il décide de même détruire les anneaux. Malheureusement, ça ne sert à rien. Là, j'ai trouvé ça trop stylé. Genre, flèche enflammée, et il balance un espèce de sac explosif ou je sais pas quoi, là. Et là, boum! Explosion. Il tente des choses. Il tente des choses. C'est pour un peu pour éclairer la pièce, là. Hop! Il y a tout qui brûle. Bon, avec l'image qui fait un peu dégueulasse, mais ça, c'est de mon côté. C'est pas de la leur. Donc j'ai beaucoup aimé ces petits passages. Alors là, j'ai pas compris pourquoi il les a brûlés. C'est pour les terminer, pour les façonner. Donc là, ils sont terminés à ce moment-là. Donc Celebrimbor décide au dernier moment de quand même les cacher. Hein. Ça, il a compris qu'il fallait pas qu'Annatar ait d'autres anneaux et qu'il faut qu'il ne pas, qu'il, faut pas qu'il les touche, quoi. Alors, je trouvais cette scène terrible aussi. Hein. Il ne peut pas s'échapper. Du coup, il décide d'y aller par la force et de carrément se sectionner le pouce. Et c'est quand même assez terrible, hein, cette scène. Donc il ressort, il va se reprendre un boulet de canon parce que sinon c'est pas drôle. Il est tombé à gauche de la muraille et il va tomber à droite de la muraille. Hein. Il a vraiment pas de chance, ce Celebrimbor. Il est vraiment au bout de sa life. Et il y a ses potes, il y a le commandant et quelques troupes renforcées de sa garde royale qui viennent et qui lui disent bah, Celebrimbor, il faut retourner dans votre tour là, il faut arrêter tout là. Donc Galadriel, heureusement, arrive à ce moment-là, leur redonne la raison pour dire bah, c'est bien Celebrimbor, le chef de cette cité. C'est bien Annatar, le grand méchant. Il faut aller le tuer, quoi. Alors pourquoi Galadriel n'y va pas à ce moment-là? Parce que elle obtient du coup les anneaux des hommes et décide de partir par une sortie qui a été du coup construite par les nains il y a très longtemps. Ça, voilà, c'est un petit c'est une petite info qui nous donne. Un petit truc en plus pour sortir de la cité sans forcément avoir de problème avec les orques. C'est quelque chose parmi tant d'autres, voilà. Bon, Galadriel va cacher les petits anneaux. Et Celebrimbor qui décide d'y retourner, voilà. Celebrimbor qui a deux autres crevés, il décide de quand même retourner là-haut. C'est pas forcément la meilleure idée du monde, mais bon. Ils disent qu'ils sont quand même supérieurs, ils vont peut-être y arriver. Donc cette scène est plutôt sympathique, voilà. Il y a les tirs de... Et par contre, ce tir de catapulte, il est ultra vénère, regardez. Juste après, t'as l'impression que c'est un bombardement, le truc. Regardez. C'était un peu abusé quand même, on est d'accord. Ce passage-là, il est un petit peu abusé, genre. Genre, quand même, c'est pas des frappes de missiles. T'as vraiment l'impression que c'est des frappes de missiles, quoi. Bon, c'est stylé, mais quand même, faut pas abuser non plus. Donc là, on a les petites tranchées qui se sont formées. La garde, on va dire, d'Elrond et de ses petits poteaux, là, sont en train de se mettre au plus proche de la muraille pour aller essayer de créer... Bah, pour essayer de limiter un peu les orques qui arrivent sur les murs. C'est dommage qu'on se batte que sur un plan de muraille, hein, je le répète. Mais bon, je pense qu'il faut aussi rappeler que c'est une série et pas un film. Hein, donc on n'est pas sur les mêmes budgets qui sont alloués au même endroit. On n'est pas sur... voilà, c'est totalement différent. Mais pour une qualité qu'on a, on est clairement sur une qualité de film. Là, je me suis cru dans Baldur's Gate 3. Ouais, c'est en mode, ouais, toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça. Toi, tu vas lancer ton dé de 4, là, et tu vas tout faire. Bon, elle va avoir un triste sort, la petite madame. Donc là, ils se battent, voilà. Et là, je sais plus ce qui se passe exactement. Elle doit se prendre des flèches. Hop. Take a shot. Donc, tirez. Et sauf qu'elle se prend, je crois qu'elle se prend une flèche.
Elle se prend une flèche dans un premier temps, dans le carquois, hein, je crois, hein, que c'est dans le carquois, hein, ce qu'il disait hier sur le live de Gaëtan. Donc elle se prend quelques flèches, hein, bon, la mort de Boromir, classico, hein. Classico, classico, elle va quand même tirer sa flèche parce que c'est sympa, il faut terminer en beauté, et il y avait une petite tuile un peu cachée, et qui va tout faire sauter, voilà, petite explosion nucléaire dans la zone ici. Alors, attendez, je vais juste relancer une petite musique. Il est déjà 45, c'est terrible, faut que j'avance, faut même que je termine. Allez, on va remettre cette musique parce que elle est sympa, petite balle dure. Bon, voilà, elle meurt, c'est triste, elle se prend une nouvelle flèche, un peu le style Lurtz, hein, qui lui tire une dernière flèche coûte que coûte. Et Adar décide de lâcher le troll, voilà, il faut lâcher le troll comme si c'était la menace ultime. C'est une belle menace, évidemment. Il en impose. Les orques sont carrément en train de se déplacer parce qu'il va attaquer à la fois les orques et du coup les elfes. Et là, on a Anatar qui va montrer sa vraie nature. Les petits elfes qui vont se mettre autour. Lui, il se fait complètement contrôler, le chef. Et là, les hommes qui vont tout simplement s'entretuer. Moi, j'ai beaucoup aimé cette scène. Je trouve qu'elle est bien faite. Les elfes, voilà, ils se mettent autour, ils sont en mode... Est-ce que c'est vraiment un méchant? Est-ce qu'on... Enfin, ils savent pas encore à ce moment-là que vraiment c'est Anatar, quoi. Enfin, vraiment Sauron. Au fond d'eux, ils y croient pas. Et puis, Sauron les a complètement corrompus tous, en fait. Ils sont tous sous son emprise. Donc, ils ne peuvent rien faire. Et Celebrimbor qui est en mode, bon, prochain épisode, je risque de passer un sale quart d'heure. Je risque de passer un sale quart d'heure. Bon, on peut voir que les elfes, bah, ça sent pas bon. Que notre cher Damrod, eh bien, est en train de faire une belle pagaille dans le champ de bataille. Oh, oui, il meurt assez rapidement, mais il est tout seul, il n'a pas d'armure. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il va pas détruire la cité à lui tout seul quand même, c'est pas possible. Il montre quand même des trucs assez stylés, genre il va prendre des orques, de petits orques là pour créer un bouclier humain. J'ai trouvé cette scène plutôt chouette. Faut penser que voilà, il arrive, il fait son petit truc et il repart, quoi. Bon, ça, mais c'est vrai que voilà, même Arondir, il est obligé de faire attention parce que Arondir qui n'a pas de casque, hein, mais qui reste le plus agile des elfes. Et Elrond qui décide d'aller détruire coûte que coûte. Donc Salam, comme disait sur le live de Gaëtan, est émoussé, hein. C'est pour ça qu'il ne peut pas d'un coup détruire la ficelle, parce que bah, à force de se battre, une arme s'émousse et est moins efficace. Donc la corde doit être très résistante. En tout cas, le troll est quand même bien badass, quoi. Il est quand même bien badass. Malheureusement, bah, voilà, il se prend des tirs de flèche, des coups d'aileron, des coups de ci, des coups de ça. Il va quand même tenter, hein, de détruire la porte. Mais la porte, enfin le mur, tiens, hein, le mur est quand même hyper solide, hein, parce que, je vous rappelle, pendant tout l'épisode, ils vont forcer, hein, ils vont forcer. Et là, c'est l'arrivée, alors, le pauvre cheval qui prend extrêmement cher, voilà, boum, il se fait jeter en arrière, quoi. Yo, perso, je trouve que le troll était goth de la bataille, dommage qu'on ait même pas son nom. Si, c'est Damrod, on l'a déjà eu son nom. Alors, Arondir, qui nous fait un peu des légolasseries, comme on dit dans le milieu, qui nous fait un petit saut comme ça. Il passe par-dessus, et bam, il lui met un petit coup, il le fignole, il lui met une petite flèche, la petite flèche qui rebondit un peu derrière, Elrond qui vient le terminer, et Gil-galad, qu'on voit enfin à l'action, parce que c'est vrai qu'en tant que roi, on l'a pas forcément beaucoup vu dans cet épisode, il donne pas forcément d'ordre, hein, c'est vraiment Elrond qui gère la situation, mais bon, il se bat comme un dieu, hein, évidemment, on le voit avec sa lance Aeglos, et Adar qui décide d'envoyer toute sa famille. C'est drôle, hein, parce que même les orques sont en mode, ok, est-ce que je termine mon repas ou j'y vais? Allez, on y va tous. Et là, ils envoient vraiment toutes les légions d'un coup, et là, il fait jour, on arrive sur la fin de l'épisode. Gil-galad, Elrond, Arondir, qui vont s'affronter. Elrond qui est ultra heureux parce qu'il sait que les nains arrivent, sauf que bah, malheureusement, les nains ne viendront pas, et c'est en fait l'éclaireur qui s'est fait du coup prendre en embuscade, j'imagine, par des orques dans la forêt. Qui revient avec de très mauvaises nouvelles, comme quoi les nains ne viendront pas, qu'ils ont fermé les portes. Sauf que pour moi, les portes vont peut-être se réouvrir, vu que c'est pas les portes de la Moria. Je sais pas, moi, j'ai ma théorie maintenant, vu que les portes, on a bien vu que c'était pas les portes de la Moria. Donc je sais pas à quel moment les portes de la Moria vont être installées. C'est un peu le grand mystère de cet épisode, hein, pour moi. Enfin, en tout cas, du côté des nains. Côté des nains, si, il y a aussi Durin, Durin 3. On sait pas trop, dans sa folie, qu'est-ce qu'il a fait.
Et l'histoire de la porte, ça, aucune idée. Bon, j'ai pas compris pourquoi les elfes s'obstinent à encore se battre devant les portes, devant les murs, pardon. C'est quoi cette obsession de se battre toujours devant les murs, là? Est-ce que vraiment c'est logique de se battre devant des murs? Bon, est-ce qu'ils font ça pour pas que les orques pètent le mur et du coup que toute la cité soit envahie? Ce qui, au final, n'est pas bête. Est-ce que c'est pas mieux d'empêcher que l'adversaire rentre chez toi? Donc tu te bats devant, mais là, au bout d'un moment, il faut se replier, quoi. C'est pas comme s'il y avait 500 000 orques qui arrivaient encore, toi. Vous avez vu le nombre d'orques qui arrivent encore, là? Bon, il n'y en a pas non plus 36 milliards, mais il y en a quand même pas mal. Adar qui est déterminé comme Jaja, hein. Il y va, il perd pas de temps, lui. Gil-galad qui est en mode, bon, formez les rangs. L'elfe, là, il est à deux doigts de tomber, ça serait bien qu'il se casse. Et là, c'est parti. Bon, les gens ont critiqué le fait qu'il soit plus que 50 pecno. On arrive à la fin de la bataille, hein. Gil-galad a dit, clairement, que leur armée ne pouvait pas contenir l'armée de Adar. Donc, en fait, il fallait avoir les nains. Il fallait que les nains viennent. Donc c'est pour ça que les elfes se font massacrer. C'est qu'il n'y a pas de renfort en fait. Ils sont juste là. Oui, dans Eregion, ils sont pas beaucoup. C'est voulu dans la cité. Enfin, c'est voulu dans la série. Après, on n'a pas de mention de beaucoup d'elfes. On n'a pas de notion de chiffres en fait dans les écrits. Il faut pas oublier que Peter Jackson, lui, il aime bien beaucoup en faire. C'est-à-dire que lui, il fait vraiment, allez, on va mettre 500 000 orques, on va mettre 300 milliards de cavaliers, et on te fait des scènes à couper le souffle. Oui, c'est grave stylé. Mais bon, là, on peut voir que y a pas autant d'hommes, quoi. Elrond qui est complètement traumatisé. Les elfes continuent à se battre. Aeglos, hein, qui commence à montrer de quoi il se chauffe. Ah, Gil-galad, là, il est quand même beau gosse. Il est quand même beau gosse. Là Lucius Arobel, hein, donc... qui avait la chaîne Le Savoir des Anneaux, il doit être content. Il doit être content de la petite prestation de Gil-galad sur ce move. On voit qu'Arondir esquive des petites flèches aussi rapidement, et on voit Adar qui arrive derrière. Hein. On voit le petit Adar qui arrive hier, et Arondir, il l'a dans son objectif. Et là, on peut voir le petit duel entre Arondir et Adar. Alors, j'ai pas compris, j'ai eu l'impression qu'il se plantait, les deux, mais on est d'accord qu'il le plante pas avec une épée, il le plante avec son poing, non? J'arrive pas à comprendre. Ouais, il a sa main droite avec l'épée, et en fait il le chope avec sa main, quoi. Ok, il le met à terre. Ouais, c'est ça, il a rien du tout en fait. Ok, moi j'ai cru qu'Arondir allait mourir à ce moment là j'ai eu peur, j'ai eu mon petit cœur qui a frétillé pour Arondir, parce que le pauvre, et ils sont pas loin de détruire le mur quand même, hein. Ils ont bien avancé, hein. Ils ont bien avancé, bon, c'est pas encore tout à fait ça. Et là, ils détruisent enfin le mur, et on arrive à la fin de cet épisode, avec du coup Elrond, qui est complètement dépoussolé, hein. En fait, là, on a une nouvelle fracture entre les elfes et les nains. Clairement, c'est à ce moment-là que les elfes et les nains ne vont plus se parler pendant des années et des années, parce que, à cause, entre guillemets, des nains, bah les elfes perdent un des plus grands royaumes de cette époque. Donc c'est pas rien la relation Elrond-Durin, c'est ça qui fait tout en fait, entre les nains et les elfes. C'est grâce à Elrond que les nains se sont remis avec les elfes. Adar, bon, trop fort, Adar, hein, qui décide de parler un petit peu de Rumil, petite mention de Rumil qui a du coup créé des écrits, enfin qui a écrit plutôt l'alphabet, qui deviendra plus tard par Fëanor, du coup les Tengwar, pour information. Donc il parle de... Je crois qu'il parle même de la... je sais plus, l'arrière grand-mère d'Elrond, de Melian, à un moment donné. Et du coup, il chope un des anneaux uniques. Enfin, des anneaux elfes, pardon. Et ça se termine sur ça. Voilà. Bah écoutez, moi, cette fin d'épisode annonce un épisode 8 plein de rebondissements. Je pense que la cité va être prise, il va y avoir la confrontation Annatar, Adar, Gil-galad. Je sais pas comment ça peut se terminer cette histoire, comment ils vont repartir chacun de leur côté, comment ça va se passer cette histoire. Est-ce qu'il va y avoir un repli des elfes au Lindon, un repli du coup des nains en Moria, Elrond qui va partir de son côté aussi pour fonder du coup Imladris. Les orques qui vont être complètement asservis par Sauron, Adar qui va mourir, je sais pas, j'ai aucune idée. Je pense que Sauron va clairement balancer toute sa puissance
au prochain épisode, la bataille va continuer. La bataille, je vois pas trop... Enfin, elle peut continuer, mais comment? Les elfes, j'espère, se sont repliés, entre guillemets, au deuxième niveau ou un truc comme ça, ça serait bien. Ils protègent l'entrée, tac, tac, tac. Là, pour moi, en gros, le prochain épisode. Les archers se sont repliés un petit peu dans, dans le premier niveau, là, qu'on voit. Ils empêchent les orques de revenir, du coup, Gil-galad revient, son commandant aussi, Elrond, Arondir se replie. Adar, bah, il est derrière avec du coup les orques qui commencent à rentrer. La cité est envahie. Ils vont, je sais pas, il va y avoir des pourparlers. Pour moi, il va y avoir des pourparlers. Et Adar, il est là pour parler, il est pas là pour se battre. Vous voyez bien, il aurait pu tuer Arondir, il l'a pas fait. Il aurait pu tuer Elrond, il l'a pas fait. Lui, ce qu'il veut, c'est tuer Sauron. C'est son seul objectif dans sa fucking tête, c'est de tuer Sauron. Bon, en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'est un chouette épisode. Faudrait que je le revoie, je pense. Je l'ai vu une fois. Il se passe beaucoup de choses, donc je regarderai tranquillement pour du coup le conseil en terre du milieu. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire de cette vidéo. On se retrouve du coup très vite pour le conseil en terre du milieu du coup tous les mercredis à 21h. N'hésitez pas à venir, on discute, il y a toujours des invités incroyables voilà, pour discuter de l'épisode. Donc voilà, allez, je vous dis à bientôt, au revoir et abonnez-vous.